Shalom le Koulam. Ce soir, on veut parler, Bezrat Hashem, un peu de ce qui se passe autour de nous. Comme toujours, on a quoi dire? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Sur ce qui se passe. La Gemara, Maseret Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet, elle dit comme ça. Tanya Aya Rabbi Meir Omer, Chayav Adam Levarech, Mea Brachot Bechol Yom. Il faut faire 100 brachot chaque jour. Chez Nehema, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, Kim Leira et Hashem Elokecha, Ulodovka Bo Vechole Vechole. La Gemara elle dit comme ça. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, comme si c'était inscrit, Mea Hashem Shoel Meimach, Mea 100. 100, Akadosh Baruch Hu Mevakesh, il demande que tu fasses chaque jour 100 brachot. C'est naturellement pas le pshat de la phrase du pasouk, mais comme ça la Gemara, elle fait la drasha. Et dans les Géonim, le tour, il prononce les Géonim qui disent qu'au fait, celui qui a fait cette drasha, c'est David HaMelech. Pendant le royaume de David HaMelech, il y avait une épidémie, une magéfa. Et comme il y avait une magéfa, David a fait une takana. Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter la magéfa? Le tzivouï que David a trouvé pour arrêter la magéfa, eh bien c'est ça. Il a fait une takana, chacun doit faire 100 brachot chaque jour. Exactement ce que les Géonim disent. Que David, au jour de la magéfa, ou pendant le temps de la magéfa, il a fait, plus que ça, pardon, il mourait 100 personnes par jour. Exactement, chaque jour, 100 personnes mouraient. David a vu 100 personnes mourir. Et alors là, il a fait chaque jour, chacun doit faire 100 brachot. Ça nous a l'air comme ça une dracha, comme beaucoup de drachas dans la Gemara. Mais si on regarde bien dans le Shulchan Aruch, Orachaim, Siman, Menvav, Seif Gimel, et je lis, je cite le Seif Gimel, Chayav Adam Levarech Bechol Yom, Mea Brachot Lefachot. Il est obligatoire de faire chaque jour 100 brachot. Au moins, Shulchan Aruch, Halacha, c'est pas une dracha comme ça, comme des drachot dans la Gemara, qu'on dit, oh bon, c'est une idée. Non, c'est pas une idée, c'est une Halacha. Comment on arrive à 100 brachot? Ben, on va faire le compte. Les Mishnah Berurah, tous les Mefarshim du Shulchan Aruch, pas sans Mishnah Berurah, mais ils font tous les comptes, comment on arrive à 100 brachot. Ben, on verra comment on arrive à 100 brachot. Yachasit, très facile, beikar les hommes. On se lève le matin. Al Netilat Yadayim, Asher Yatzar, Elokai Neshama. 3. Birkot HaShach, Birkot HaTorah. Bon, il y a une machloket si c'est 2 brachot ou 3 brachot. Est-ce que Veharevna, c'est une bracha séparée ou c'est la continuation de la première bracha? Alors on a ou 2 ou 3 brachot. Je continue. Birkot HaShachar, Anoten la Servivina, etc. On a 15 brachot. Tzitzit ou talit, itatef betalit, et tfilin, encore 2 brachot. Les Ashkenaz, ils en ont encore une de plus, puisque chez les tfilin, ils font 2 brachot différentes, un ou 2 ou 3 brachot. Baruch She'amar, Ishtabach, encore 2. Kriyat Shema, on a 3 brachot le matin, 4 brachot le soir. Ron, Mariv Aravim, Avat Olam, Gaal Israël, Ashkivenu le soir, Ashkivenu il n'y a pas le matin, en tout ça fait 4 le soir, 3 le matin, 7 brachot de plus. La Shmona Esre, qui n'est pas Shmona Esre Kayadoa, qui est au fait 19 brachot, la Shmona Esre qui est au fait pas 18 mais 19, on la fait 3 fois par jour, 3 fois 19, ça nous fait 57. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si je prends 2 brachot de Tzitzitalit et Tfilin, et pas 3 comme les Ashkenaz, mais comme nous les Sfarad, 2 brachot. 2 brachot pour 3 brachot pour Birkot HaTorah, comme ça beaucoup de Mefarshim qui disent que c'est 3 brachot. En tout et pour tout, j'en ai 89 brachot. Je ne suis toujours pas à 100. Mais ça, c'est le minimum de minimum que chaque homme dit tous les jours. Pas moins. Allez, tous les jours de semaine.
Mais non, pendant la journée, on mange. Si on sort de la toilette, on fait un shériatsar. Quand même, chaque personne normale l'a fait quelques fois par jour. On mange. J'ai fait comme ça un petit récit, c'est les trois repas. Disons que le matin, on se dépêche, on mange un croissant et un café. Un croissant Maisonnotte, un café chez Acol et un verre d'eau, un jus d'orange. Chez Acol, on a déjà trouvé. Et on fait bracha achrona. Mais en shalosh à la michéa et bon nefashot pour le verre d'eau, pour le jus d'orange. En tout et pour tout, on a fait Maisonnotte, chez Acol, à la michéa. Borel et Fachot, 4 brachot le matin, c'est le minimum. À midi, on mange un repas avec du pain, disons. Un sandwich, quoi. Sandwich, un falafel, shawarma. On se lave les mains. À Netilat Yadayim. À Motsi. Birkat Amazon, 4 brachot. En tout et pour tout, 6 brachot. Le soir, on vient à la maison, on mange un repas chaud, Bessari. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se lavent pas les mains, ne mangent pas du pain. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un couscous, des petits thym, des pâtes, des zonotes. On a des légumes, adama, la viande, chez Akol. Et puis, à la fin, quand on termine, men shalosh, à la michia pour les mezonotes, borel nefashot, encore 5 brachot. Alors, 3 repas. 5 brachot le soir, on a dit 4 brachot le matin, 6 brachot à midi qu'on a mangé le sandwich, Netilat Yadayim à Motsi, Birkat Amazon. En tout et pour tout, ça nous fait encore 15 brachot, sans les Asher Yatzar qu'on a dit là tout de suite, on a dit 89 plus 15, ça nous fait déjà 104 brachot, 100, déjà. 100, Exagéré. Sans exagérer et sans faire Suppléments. Des suppléments. Des suppléments et sans faire des efforts spéciaux. Mais pour ça, il faut faire attention. Malheureusement, pas tout le monde fait tous les brachot. Et maintenant, c'est le temps de les hitragel, de s'habituer, de faire toutes les brachot. Nous et les enfants. Il faut parler de ça. C'est très important de maintenant, toujours, mais spécialement maintenant, c'est très important de faire toutes les brachot. Faire Asher Yatzar après la toilette et faire Baracha Achrona après le manger. Je crois que ça, c'est les faibles brachot chez les jeunes, peut-être, chez les autres. C'est les faibles brachot. Puisqu'on connaît souvent, on ne connaît pas les Alamichia Baalpé, on ne le connaît pas par cœur. Shariatzar, bon nefashot. C'est comme ça, on les dépasse. Des fois, il y en a qui les dépassent. Pas chez nous, chez les autres. Alors, c'est le temps de faire un effort et de renforcer les brachot. Les brachot avant le manger, les brachot après le manger. Naturellement, de pas perdre, non, on dit pas perdre, pas rater aucune tefila, puisque on a compté. Shacharit, Mincha Arvit. Seulement, la Shmona Esrei, c'est déjà 19 brachot à chaque fois. Si tu enlèves 19 brachot, là, t'arrives pas loin. N'arriveras pas tellement facilement à 100. Alors, c'est les jours-là, comme David Amelech qui a fait la Takana, et comme c'est écrit en Shulchan Aruch pour toujours, c'est pas seulement de nos jours-là, de la Magepha. Toujours, il faut faire un effort. Et ça, c'est peut-être si David Amelech voyait ça comme un. Pas un médicament, un remède pour la maguefa. Est-ce qu'on va essayer peut-être aujourd'hui aussi de faire ce remède et de renforcer chez nous et chez nos proches le nocé des les brachot, toutes les sortes de brachot, les Bezrat Hashem, on va essayer de faire un effort. Et en tout cas, il faut aussi parler de Shabbat, mais on ne va pas faire prolonger trop de ce qu'on parle. Et on ne va pas parler chaque jour et chaque Shabbat et chaque fête, quelles brachot on rate et quelles brachot il faut
rajouter. Je dirais seulement que le Shabbat, on rate, puisque la Shmona Esre de Shabbat est en tout et pour tout seulement 7 brachot. On perd 12 brachot, on rate 12 brachot 3 fois. Ça fait quand même 36 brachot. Mais on a Tfilat Moussaf, alors ça nous rajoute 7 brachot. Il nous reste 29 brachot qu'on rate. Il faut manger plus, on mange plus de repas, on fait un Tfilat Yadayim, on fait Kiddush, on fait encore des brachot. Et puis, on n'a toujours pas 100. Si tu n'arrives pas à 100, il y a beaucoup de Bate Knesset, on aime des Bessamim Shabbat. Pourquoi on aime les Bessamim? Pour faire encore des brachot, c'est tout l'idée de ces Bessamim et de faire des brachot non safot. Et puis il y en a qui mangent après le repas, on mange encore des garinim et toutes des choses qu'on fait après le repas pour faire encore des brachot. C'est là l'idée de 100 brachot Shabbat. Et si on n'arrive toujours pas à 100 brachot, et bien alors on écoute à l'Alia, la Torah. Shabbat on parle. Baruch Ata Hashem, quand il monte à la Torah, quand il termine, chaque fois, il y a cette aliot, il y a la haftara, tu mitkaven à ubrachot là, et tu yotse yedechova, comme ça il dit le Magen Avraham. Pour arriver à 100 brachot, on peut aussi écouter et arriver à 100 brachot. Alors là, Bezrat Hashem, on va se renforcer de ces 100 brachot. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yerapé, Cholé, Amo Israël. Et dans ce cas, pas seulement Amo Israël, mais le monde entier a besoin d'une refoi. Alors ça, c'est le premier remède qu'on voulait dire là maintenant ce soir. Mais je veux dire encore un remède qu'on a parlé vendredi soir au Bet Knesset. Maintenant, je vais le dire en français. On a dit que quand on parle, quand on est dans le bidoud, le confinement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bidoud. Le bidoud, on connaît de la Torah. Badad yeshev michutz la machane. Qui est badad yeshev michutz la machane? Dans la Torah, il faut être bidoud. Qui est en bidoud? Celui qui est Metzora. Il a la lèpre. La lèpre. La lèpre. Et pourquoi est-ce qu'on a la lèpre? Parce qu'on parle du Lashon Hara. Alors la Torah, il dit, tu as parlé Lashon Hara, tu as fait une machloket entre l'un et son proche, eh ben, dégage. Va en bidoud, soit en dehors du Machaneh, tout seul. C'est pas comme aujourd'hui, avec le téléphone et tout ce qu'on a avec. Il était en bidoud, mais vraiment en bidoud, tout à fait en bidoud, puisque il a parlé du Lashon Hara. Lashon Hara, c'est comme la magéfa. C'est comme un virus. Pourquoi? Quelle est l'idée du virus? Il y en a un, l'Oralène, qui est malade, et il peut contaminer des autres, deux, trois personnes. Avant qu'on l'attrape, qu'on a reconnu comme malade, il a réussi, c'est pas le mot, Chas v'shalom, mais il a contaminé deux, trois personnes. Et ces deux, trois personnes, jusqu'on ait trouvé qu'ils sont malades, ils ont contaminé deux, trois autres personnes. Et ces deux, trois autres personnes, c'est pour ça qu'au début, seulement à peine il y a 10 jours, 14 jours, même pas, on a entendu à la radio le premier malade en Israël, c'était combien? Il y a 10, 15 jours. Mais aujourd'hui, on est déjà à 300, on est déjà 280. Ouais. On est déjà à 280 en tchic-tchac. Ça, c'est la Lashon Hara. Comment il marche la Lashon Hara? Il y en a qui parlent, il y en a deux qui entendent. Ces deux, ils ont raconté encore deux autres. Ces deux autres ont raconté encore deux autres. Et comme ça, cette épidémie de la Lashon Hara s'éparpille très très vite. Et c'est pour ça que le Lashon Hara, il faut le mettre en bidoud. Et comme on voit le bidoud et le bidoud, peut-être, on ne connaît pas les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut voir qu'est-ce que nous on peut faire, et on peut faire attention, plus attention au Lashon Hara de nos jours. Il faut toujours faire attention à Lashon Hara, mais peut-être cette époque-là de cette épidémie, il faut faire beaucoup plus attention et parler beaucoup moins, bichlal pas, si c'est possible, du mal des autres. Parfois, on a facile de parler du mal des autres, c'est sympa, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais si on s'habitue maintenant pendant quelques semaines de parler seulement du bien,
à la maison, entre amis, au travail. C'est tellement plus bari, plus sain pour tout le monde. C'est tellement mieux. Ça peut changer toute l'atmosphère. Bezrat Hashem, pas seulement pour maintenant. On va s'habituer, 2-3 semaines. Et puis ça va rester. Et on parle pas du mal. Et on peut habituer les enfants à la maison. On réclame pas. On peut réclamer. Quoi, on peut plus rien dire? On peut parler. Mais comment? Ça dépend comment. Tu veux réclamer? Vakasha, tu dis, maman, merci que tu nous as donné préparer à manger. Est-ce que Bezrat Hashem demain, tu pourrais nous faire n'importe ce que tu voulais? Sinon, tu dis, pourquoi tu n'as pas fait aujourd'hui des pâtes? Nagid, tu peux dire ça comme ça, tu peux dire, on peut apprendre. C'est Efshari, on peut changer la Safa, on peut changer le langage. C'est possible. Mais pour ça, il faut que nous, les adultes, on change notre langage aussi. On ne peut pas exiger des enfants le langage et parler des autres et des gens et des voisins, réclamer de la Médina, du Rosh Hashanah, de le... Il faut s'habituer à parler du bien des Am Israël. S'habituer de parler seulement du bien. Comment on parle du bien? De la Metzrot. C'est vrai que j'ai vu quelque chose, mais tu ne connais pas toute l'histoire. Peut-être que tu t'es trompé. Tu as mal vu. Tu as mal interprété. Tu ne connais pas toute l'histoire. Tu ne connais pas le récaché lui à la maison. Tu ne sais pas tout. Et puis, même si c'est vrai ce que tu as vu, pourquoi il faut raconter à tout le monde? Garde ça chez toi. C'est difficile de garder chez soi. C'est difficile de garder chez soi. Faut faire un effort. Est-ce que tu voudrais qu'on parle de toi? Bah, tu es tellement mouchlam, tu fais jamais des mauvaises choses. Tu fais comme aussi des fois des mauvaises choses. Est-ce que tu voudrais qu'on parle de toi? Celui qui l'a vu, 2-3 personnes ont vu ce que tu as fait. Tu veux qu'il raconte? Et tu sais quand même très bien qu'il va raconter, il va raconter, il va raconter. Ça va pas arriver chez tout le monde. Aujourd'hui, de nos jours, un petit WhatsApp et hop, c'est chez tout le monde. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça chez toi? Baruch Shelo. Comme tu veux pas chez toi. Mashesanu Yalecha. Altase Lecha Verecha. Ce que tu détestes, ne fais pas aux autres. Alors, ça aussi, la deuxième chose qu'on veut dire là, de faire attention de nos jours. On ne connaît pas les Cheshbonot de Shamaim. Je ne suis pas un. Je ne donne pas des Gematriotes et des Simanim et des Sberim. Je suis rien du tout, moi. Mais je regarde ce qu'ils ont écrit, nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans Etzara? On fait, comme David Ameler, les Mea Brachot. Bon, il faut les Trazek, Bichlal, en tout. Mais là, j'ai donné deux petites idées qui ne sont pas tellement difficiles à faire. Et si on va s'habituer, on va s'habituer, pas seulement maintenant, parce qu'au moment qu'on s'habitue à dire à Sheri Yasser à chaque fois qu'on sort des toilettes, ça va continuer, ça reste avec nous. Si on s'habitue, on apprend à chérir. Mais on est tous à la maison. On va apprendre maintenant en famille. Ben Shalosh Alamichia. Par cœur. Puisque sortir et chercher où c'est inscrit, même qu'on a ça sur le téléphone, chacun a sur le téléphone, on peut facilement. Mais si on va apprendre Baal Peh, on va faire un petit pras, une petite matana pour les enfants qui vont le savoir Baal Peh jusque demain, après-demain. On va acheter un petit cadeau. Celui qui nous dit Baal Michia, Baal Peh. Dans 2-3 jours. Et là, on va s'habituer. Il connaît Baal Peh. Il va s'habituer. Et ben, il va le dire à chaque fois qu'il mange un gâteau. Il ne faut pas seulement 2 semaines. Alors, Bezrat Hashem, si on va le kabel à la tzmeno, c'est 2 choses. Gam, sans brachot, chaque jour. Et gam, les aères, faire attention à ce qu'on sort de la bouche, à ce qu'on parle des autres personnes. Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu Yirachem Alamo Israël, Ishlach Refuah Shlema, à ceux qui ont besoin de la refuah, Bezrat Hashem, tous nos proches et tout notre peuple et tout le monde entier ne sera plus de mal et ne sera pas contaminé de cette maladie. Et Bezrat Hashem, on verra qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous apprendre dans cette épidémie, parce qu'on sait que si Akadosh Baruch Hu fait, il sait ce qu'il fait, et quelque chose il veut nous apprendre là, Bezrat Hashem, on va voir les Anze Yovil, où tout ça va nous mener, Bezrat Hashem.